Nous sommes le vendredi 12 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Victoire des écureuils du Bénin face aux joueurs malgaches ce jeudi à Cotonou dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les temps forts dans cette édition. Le Bénin célèbre toujours le retour des 26 œuvres d'art. Le ministre Jean-Michel Abimbola était ce 11 novembre face aux universitaires et professionnels du patrimoine. Les détails sont à suivre. Lancement officiel de l'activité évaluation de la qualité des manuels scolaires ciblant les manuels officiels à l'usage des élèves des écoles du primaire et du premier cycle du secondaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet ressources éducatives. Voilà pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. On l'a annoncé en titre, victoire des poulains de Michel Dussier face à la formation malgache. 2-0 en faveur du Bénin. C'est le score final de ce match disputé ce jeudi au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Les écureuils, grâce au point acquis, se rapprochent tout doucement de la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les temps forts de ce match avec Stanislas Amoa. Dans un match où l'enjeu était une victoire impérative pour les deux équipes, ce sont les poulains de Michel Dussuet qui ont pris le dessus sur l'équipe malgache. En effet, dès les premières minutes, les écureuils prennent d'assaut le camp des malgaches sans pour autant être réalistes dans le dernier geste. Alors qu'on s'approchait tout doucement de la pause, sur un déboulé de l'Amiénois Charbel Gomez sur le flanc gauche, contrôle du pied droit et décroche un tir du gauche qui n'a laissé aucune chance au gardien malgache Adrien Melvin. 44e minute de jeu, 1-0 pour le Bénin. Du retour des vestiaires, le sélectionneur malgache Eric Rabesandratana a effectué quelques changements tactiques. Un coup qui aurait pu être payant à l'heure de jeu, mais heureusement pour l'équipe béninoise, le capitaine des jaunes, Khaled Adenon, veillait au grain suite à une sortie complètement manquée de Saturnin Alagbé. Dussuet sort successivement Jordan Adé aussi, transparent tout au long de la rencontre, et Matteo Arlenvi, cuit physiquement. Ces derniers ont cédé leur place à Rodrigue Cossi et Junior Olaitan. Du sang neuf à porter, les écureuils du Bénin présentent un nouveau visage. À la 79e minute, Charbel Gomez, l'homme toujours présent, sur une récupération, serre en profondeur Jodel Dossou, qui à son tour retrouve Steve Mounier, laissé libre par une défense totalement fébrile. Le Brestois fait le job, 2-0 pour les hommes de Michel Dussuet. C'est sur ce score que les écureuils et les baréas se sont séparés au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Désormais, les écureuils prennent la tête du groupe J avec 10 points. Le prochain rendez-vous des jaunes sera le dimanche 14 novembre 2021 au stade des Matilles, au menu des léopards de la République démocratique du Congo qui y croient toujours.
Juste après le match, les deux sélectionneurs ont livré leurs premières impressions. Mathieu Bocor pour le point. Malgré sa défaite face aux écureuils, quelques minutes après le match Bénin-Madagascar, le sélectionneur semble être confiant. Moi, je suis assez satisfait du match de mes joueurs, surtout dans l'engagement, dans l'envie de jouer au football. Une belle philosophie de Eric Rabezantratana, seulement qu'au niveau du groupe, il martèle qu'il manque encore d'efficacité. C'est pas très efficace, mais on est simplement en construction. On est en train de renouveler un petit peu l'effectif. On est en train de redonner une dynamique en termes d'état d'esprit. Aujourd'hui, j'ai bien aimé ce que les joueurs ont fait. Alors bien sûr, on a perdu. Bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. Faire mieux pour lui, c'est de vaincre l'équipe du Bénin en mettant le ballon au fond du filet. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de le faire. On a eu quand même pas mal de situations très intéressantes où on aurait dû faire autre chose. Malheureusement, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé le joueur qui était capable de trouver l'efficacité. Donc, on repart avec cette défaite 2-0. En tout cas, le sélectionneur des Barrières reconnaît le travail d'équipe des écureuils. Ce qui a fait la différence, c'est d'avoir, je dis, ce joueur qui met ce ballon au fond. Voilà. Vous avez deux joueurs de qualité et devant qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Des propos confirmés par Michel Dussuet. Ça a été plus cohérent de notre côté, un peu moins de déchets et des projections vers l'avant qu'on n'a pas toujours bien négociées avec des mauvaises passes. Voilà, on aurait pu faire la différence et se mettre à l'abri un petit peu avant. On ne l'a pas fait. Bon. Maintenant, il faut regarder devant, quoi. Pour cette cinquième journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'entraîneur béninois est satisfait. Je suis satisfait globalement de la production. C'est ponctué par une victoire. On s'en contente. L'autre défi reste la République démocratique du Congo. Un exercice pas facile, marque-t-elle le sélectionneur des écureuils, mais pas impossible. Autre élément dans ce journal séance d'échange ce jeudi entre le ministre Jean-Michel Abimbola, les universitaires et les professionnels du patrimoine sur le retour des trésors royaux à cœur ouvert. Les participants ont émis des suggestions en vue d'une préservation des œuvres récupérées et la transmission de l'histoire autour de ces trésors à la génération actuelle et celle à venir. Le ministre a quant à lui dévoilé les ambitions du gouvernement à court et à long terme. Diane Christelle Ognodier. Bonne aventure à Lyon. Ils sont revenus, ils sont là. Désormais, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle fonction nouvelle attribuer à ces objets? Quel rôle ces objets peuvent jouer dans le projet de la fabrique du présent et de l'avenir? Et pourquoi est-ce que c'est important? Et quels sont les enjeux? 24 après l'arrivée des 26 biens culturels, après un séjour de près de 130 ans, en France, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts tient cette conférence sur les enjeux de la restitution de ces biens. Une séance qui, pour lui, est un témoignage de plus de la détermination du gouvernement de la République du Bénin à assumer son rôle majeur et exemplaire dans cette nouvelle ère marquée par un courant de restitution des biens culturels. Le Bénin et la France ont montré qu'il est désormais possible de regarder ensemble, avec responsabilité et sans complexe, leur histoire commune. Ici, on arrive au troisième moment, 200 ans de restitution. Et pour moi, je pense que le Bénin et les équipes concrètes qui ont travaillé à ce sujet-là ont une expérience maintenant et une expertise mondiale sur ces questions. Et comme la restitution sera le sujet du 21e siècle, continuez d'être courageux, continuez d'oser poser d'autres questions aux œuvres d'art, continuez de dire, mais on parle de patrimoine et pourquoi pas de matrimoine? Et pourquoi n'allons-nous pas étudier les langues que nous parlons avec ces œuvres-là? Et pourquoi n'allons-nous pas faire autre chose avec elles que simplement noter leur taille, leur poids et leur matérialité? Plusieurs enjeux remis en question au cours de cette conférence. Les objets du phare, le dieu de la géomancie, ça n'avait pas été retenu. N'oublions pas que ces objets dans la cosmogonie béninoise, certes, c'est des objets qui ont une vie, mais souvent la vie de ces objets est calquée sur la vie de la communauté, sur la vie de la société. Et qui fait que ces objets nourrissent l'imaginaire. Et aujourd'hui, le hiatus qu'il y a eu
La génération actuelle, la jeune génération, ont perdu donc de ces mythes, ont perdu donc de ces représentations. Et si on peut leur donner l'espoir de dire un jour, je suis parce que mes ancêtres ont créé, il va falloir reconstruire cet épistémé. Et il faut donc forcément que nous puissions aller au chantier de la documentation de la mémoire. C'est l'autocritique responsable qui détermine le reste de l'évolution par rapport aux actes de fond que nous devons. Nous, on a commencé par la faire revenir, il reste à ce que les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent se dire que c'est notre chose et qu'ils puissent tout ce qu'ils peuvent faire pour que justement, pour les dire, bah voilà, eux, on aurait dit ne pouvait rien de tout ça là. Non, c'est nous, mon amour. Un acte nouveau. Inédit, c'est d'ailleurs pour ça que l'universitaire et historienne expose. Cette restitution se faisait dans la douceur. Et les restitutions dans la douceur, normalement, ça n'existe pas, c'est toujours dans la violence. Donc vous avez réussi quelque chose là, que jamais personne n'a réussi dans l'histoire des spoliations artistiques. Normalement, c'est des hommes en armes qui reviennent prendre leurs œuvres. Elles ont survécu à des générations d'humains. Nous autres, nous mourrons tous les 70 ans. Alors l'objectif, c'est d'être à la fois de bons descendants, de bien s'occuper d'elles, mais d'être aussi de bons aïeux et de faire en sorte que ceux qui arriveront après nous puissent aussi être regardés par elles. Si vous prenez un programme, le programme éducatif classique d'un enfant, il n'y a strictement rien qui l'entraîne ou l'amène vers le patrimoine immatériel africain. Certains essayent de le faire revivre, mais à partir du moment où ça n'inscrit nulle part dans le système éducatif. Messieurs les professeurs, mesdames, universitaires et chercheurs de Tours en sachant et spécialistes à divers niveaux. En la matière, je voudrais réaffirmer ici que l'Afrique attend désormais beaucoup de cette culture universitaire pour servir de levier aux politiques publiques. Carole Bonin, la conseillère technique du ministère du Tourisme, pense qu'il faut intégrer les filles dans la suite de ce processus de retour de biens. Pour finir, le ministre Jean-Michel Abimbola a rassuré de la présence des œuvres culturelles. Dans exactement 2 mois, elles seront exposées pour permettre à tous de les voir. Parlant toujours du retour des trésors royaux, les citoyens de Parakou saluent la détermination du chef de l'État qui a conduit à cet exploit. On les écoute, ils sont au micro de Dieudonné Babatoundé et de Marqué Kapo. En tant que Béninois, ce n'est que d'abord une fierté. Une fierté et dire toutes mes félicitations au président Patrice Talon d'avoir réussi ce challenge, ce défi de commencer par ramener nos œuvres d'art. Tel que c'est parti, je crois que c'est une fierté pour moi. Et que les mannes de nos ancêtres, que le président Patrice Talon a cité, puissent accompagner tous ceux qui vont œuvrer pour ça, pour que les divinités Ogun et Fa, dont le président Patrice Talon, puissent revenir. Alors c'est important pour nous. L'Afrique demeure l'Afrique. On a des choses qu'on ne peut pas laisser partir comme de cette manière. Et tel que le président Patrice Talon a commencé, je crois que nous sommes partis sur de bonnes voies. Et vous voyez que même l'ancien président Yahi n'a pas hésité à saluer la chose. Ça veut dire que quand c'est bon, on a le courage de dire que c'est une très bonne chose. Surtout, j'insiste là-dessus, qu'on puisse avoir des musées en bonne et due forme pour recevoir ces œuvres d'art. Pour que le tourisme puisse revenir au Bénin, comme pourquoi pas en Égypte. Et que ce tourisme-là puisse enrichir l'économie béninoise. Je suis content que nous ayons un chef qui a pensé à notre passé. Un chef qui a pensé qu'on a du trésor dilapidé, qui fait la joie et la richesse d'autres nations, d'autres pays, aux grandes dames de nous, les propriétaires de ces objets-là, de ces articles. Mais s'il y avait eu plus que ça encore, je serais satisfait. Cependant, il faut faire chapeau à notre cher président Patrice Talon pour la bravoure. Il a eu le courage, il a osé. Et son courage, son audace a payé. Parmi tant d'autres, il ne faut pas oublier aussi Macron qui a, malgré l'opposition de son prédécesseur de rejeter cette demande, a eu le courage et enfin, la ténacité
de tenir bon et il a réussi à nous délivrer une partie de nos biens. C'est très bien. Pauvre exilé sur la terre étrangère, loin du pays sans espoir de retour. Depuis longtemps, c'est en vain que j'espère y retourner et le revoir un jour, et le revoir un jour. Voilà ces objets. Ils ont, pendant 130 ans, espéré de voir leur territoire et ils l'ont revu. Voilà, c'est ça qui fait vraiment la joie de l'Africain béninois que nous sommes. Deuxième conférence sur l'énergie durable pour l'Afrique, ouverte depuis ce lundi 8 novembre 2021, a connu son épilogue ce jeudi. 4 jours de réflexion assortis de plusieurs recommandations. Le récit de Mathieu Bocor et de Edouard Capo. 4 jours de réflexion permettant à plus d'une trentaine de pays de réfléchir sur l'enjeu d'une énergie durable pour l'Afrique. Malgré le contexte assez particulier lié à la COVID-19, décideurs politiques, académiciens, universitaires, chercheurs, experts internationaux des questions de l'énergie sont arrivés à proposer plusieurs recommandations. Il a été essentiellement question d'un état des lieux en matière de disponibilité énergétique, des défis et perspectives pour l'Afrique. Les exposés riches et diversifiés ont pris en compte une panoplie de sources d'énergie éoliennes, solaires, nucléaires, hydrauliques, etc. Des exemples de mix énergétique de certains pays ont été aussi partagés. Les énergies renouvelables ont été présentées comme potentiels catalyseurs de développement socio-économique en Afrique. De plus, un accent a été mis sur l'utilisation des matériaux locaux dans l'atteinte de l'efficacité énergétique. L'autre point majeur évoqué au cours de cette deuxième conférence internationale sur l'énergie durable pour l'Afrique reste la coopération en matière de richesse et d'innovation dans le domaine énergétique. Mes attentes ont été comblées. Ce qu'on visait, c'était de rassembler toutes les parties prenantes en Afrique, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, depuis l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, on a eu des participants avec des contributions très intéressantes venant de toutes ces positions. Et ce qu'on voulait aussi, c'est couvrir très largement le domaine de l'énergie, sans a priori, sans préférence. Et donc, la conférence a couvert depuis l'éolien jusqu'à l'hydraulique, en passant par le photovoltaïque, et du gaz au nucléaire, enfin toutes les formes de l'énergie, pour voir quelle est la place qu'elles peuvent occuper dans un mix énergétique convenant pour le futur de l'Afrique, tout en veillant à éviter la production de trop de carbone dans l'atmosphère. Les débats ont été très diversifiés dans les approches. C'est ça qui est important. Si vous voulez conseiller un homme politique, il faut lui donner une panoplie, un éventail de choix. Comme ça, il a le sentiment d'être libre de faire un choix sur la base de connaissances scientifiques. Le thème retenu pour cette assise de Cotonou est intitulé « L'énergie est cruciale pour atteindre le développement durable en Afrique ». Vous vous rendez compte, lorsque nous restons ne serait-ce que 5 minutes sans énergie, et on n'est pas content. Donc c'est un bon thème qui a été choisi par l'Académie nationale des sciences arts et lettres du Bénin, parce que cette académie de plus en plus veut choisir des thématiques utiles pour le développement du Bénin et des autres pays africains. La perspective, c'est que ce genre de rencontre continue. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Le départ qui a été pris déjà il y a, je crois que ça fait 5 ans maintenant, et ça a continué sur Cotonou, et la prochaine fois ce sera au Maroc. Nous ne savons pas encore quand non plus. La discussion est encore là, entre 2 ans, peut-être 2 ans ou 3 ans, mais vous le saurez aussi bientôt. Pour en arriver là, il a fallu plus d'une dizaine de sessions couplées d'une quarantaine de communications. Lancement officiel de l'activité
Évaluation de la qualité des manuels scolaires, ciblant les manuels à l'usage des élèves des écoles du primaire et du premier cycle du secondaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Ressources éducatives de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Les précisions avec Aziza Tchamo. L'éducation est l'un des principaux leviers de développement d'une nation, dit-on. Et pour remplir convenablement ce rôle, elle nécessite un apport de matériel didactique et pédagogique de qualité, notamment des manuels scolaires de bonne facture pour conduire à bien le processus enseignement-apprentissage. La conférence des ministres de l'éducation de la francophonie l'a si bien compris à travers cet atelier régional qui se tient à Cotonou. Le manuel scolaire, comme vous le savez, est un intrant incontournable dans l'amélioration des performances scolaires des apprenants, et cela pour plusieurs raisons dont je voudrais retenir deux principales. D'abord, l'enjeu culturel, car comme vous le savez, le curriculum scolaire est toujours le produit de la sélection d'un certain nombre d'éléments culturels jugés suffisamment pertinents pour être transmis aux jeunes élèves par l'école, institutions spécialisées, mais aussi par des professionnels dédiés à cette tâche, à savoir les enseignants. Et le manuel condense souvent dans un document unique ces éléments culturels en fonction des différentes disciplines et des différents niveaux de scolarisation. La qualité du manuel scolaire est donc nécessaire pour permettre à l'éducation d'assurer pleinement sa fonction de transmission culturelle en tenant compte des valeurs et de l'identité culturelle des élèves. Le présent atelier d'évaluation de la qualité des manuels scolaires se situe dans un contexte de prolongement des programmes et du projet de la CONFINEM. C'est donc une rencontre de grande portée au plan éducationnel en Afrique, selon le représentant de l'UNESCO. Travailler sur la qualité des manuels que nous servons à nos élèves revêt une grande importance. C'est dans cette veine que l'UNESCO et la CONFINEM ont conjugué leurs efforts pour engager l'évaluation des manuels au programme dans 6 pays d'Afrique francophone subsaharienne grâce au projet Ressources éducatives initié et financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français. Ce projet contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4, dont le leadership est assuré par l'UNESCO, et également à l'atteinte des objectifs de la stratégie continentale de l'éducation 2016-25 de l'Union africaine. Le manuel scolaire apparaît donc comme un outil présentant un double avantage à la fois cognitif et idéologique, l'un des facteurs les plus efficaces pour améliorer la qualité de l'enseignement. Salimane Karimo, ministre des enseignements maternels et primaires, y trouve beaucoup d'importance à travers la tenue de cette rencontre. Vous comprenez donc avec moi la portée du présent atelier qui vise à améliorer la qualité de nos manuels scolaires à travers leur évaluation en tant que guide mis au service de la formation et de l'apprentissage, une régulation ayant pour fonction majeure d'écarter toutes les anomalies pouvant conduire à l'échec scolaire et de prendre toutes décisions idoines capables de remédier aux insuffisances de nos systèmes éducatifs. Face à la question de l'évaluation des manuels, les défis qui sont les nôtres sont nombreux pour garantir une éducation de qualité à tous et pour tous. Au terme des travaux, le ministre des enseignements maternels et primaires nourrit bien l'espoir que les résultats issus des présentes assises augureront d'un lendemain meilleur pour la qualité des manuels scolaires. C'est sur cet élément de Aziz Atiamou que nous refermons ce journal de la mi-journée, un journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tich Fronsa. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebenin.com, sur YouTube, Facebook, tapez tout simplement dans la barre de recherche ETélébénin. ETélé, avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h, avec grâce à Valigbé. À bientôt.